aujourd'hui sur YouCook, on va partir sur un petit poulet curry avec du riz au safran. Alors, on va commencer par le riz et on va voir une autre cuisson, parce qu'on a déjà appris le riz cuit à l'eau. Là, on va le faire d'une autre manière un peu plus intéressante. On a commencé par laver le riz, vous avez déjà le faire. Et ce qu'on va tout de suite faire, c'est prendre une noisette de beurre et on vient le mettre dans la casserole. On va laisser fondre tranquillement. Dès que mon beurre est fondu et commence à mousser, on va mettre le riz. Donc le riz n'est pas cuit. On va juste un tout petit peu le rendre un peu plus généreux avec tout ce joli beurre. On mélange un tout petit peu. On attend un petit peu moins d'une minute, juste histoire de donner un tout petit peu de fondant à ce futur riz. Et dès qu'on est bon, on vient prendre de l'eau bouillante, j'ai déjà fait bouillir ça dans une bouilloire, et on vient mettre à peu près deux fois la quantité de riz en eau. Et tout de suite après, je viens remettre le couvercle. On laisse à peu près à feu moyen et on va juste laisser cuire jusqu'à ce que l'eau ait totalement disparu. Le poulet, on va juste le couper en dés assez grossiers, ou même en lanières, il n'y a aucun problème. Dès qu'on a découpé son poulet, on vient le mettre dans une assiette ou un récipient et on va l'assaisonner à sa convenance. Là-dedans, on a du safran. Le safran, ça vaut plus cher que la beuh, apparemment. Hein, c'est à peu près, une fabrication française, c'est à peu près 8 € le demi-gramme. C'est pas donné. On vient mettre de l'eau bouillante et vous allez tout de suite voir la belle couleur que ça prend. Pour le poulet, on va mettre de l'huile d'olive pour la cuisson. Mais il y a un tout petit détail, une petite astuce que moi j'aime bien utiliser pour tout ce qui est cuisson de poulet curry. On va prendre de la cardamome. Alors cardamome, c'est quoi? C'est une graine, comme ça, qu'on va venir ouvrir. Et on vient récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce sont des petites graines, vraiment minuscules. Et on vient les mettre dans l'huile d'olive. Dès que l'huile est chaude, on vient rajouter le poulet. Puis on va couper un oignon assez grossièrement. Ok, donc on a coupé les oignons. Ça fait parfois un peu pleurer, ça agresse un peu les yeux. On va prendre des piments doux. Vous pouvez prendre des poivrons, c'est juste histoire de donner un petit peu de croquant, un peu de couleur au curry. Je vais juste les fendre au milieu, couper la tête. On va juste racler pour enlever un maximum de pépins. Ensuite, on vient les couper grossièrement. On réserve pour le moment. On vient contrôler la cuisson du poulet. Il commence à être pas mal. Et dès qu'on est bon, on vient rajouter les oignons. Et on vient mélanger tranquillement. Donc dès que le poulet est bien doré et les oignons un peu blanchis, on va prendre les épices. Je vais utiliser d'une part du garam masala, mais aussi du curcuma. On va mettre une bonne dose. Je mets un peu partout sur le poulet et les oignons. Et on va faire la même chose pour le curcuma. On mélange bien. Comme vous pouvez voir, le mélange prend une très très belle couleur. Et surtout, bah, malheureusement, vous ne pouvez pas le sentir, mais il y a tout le parfum des épices qu'on vient de rajouter. Ce que je vais faire, c'est que je vais incorporer les piments doux qu'on a précédemment coupé. Et une fois que c'est bien mélangé, on vient prendre un peu de crème liquide ou bien de la crème épaisse, hein, c'est pas un souci, ou même du lait de coco, c'est encore meilleur. Donc on vient juste l'incorporer avec la préparation. On mélange bien, ça prend une magnifique couleur. On va le mettre à feu doux et on va laisser réduire. Pendant ce temps, on va vérifier le riz. Le riz est prêt, on coupe le feu. On va mettre un torchon, le recouvrir et le laisser un tout petit peu reposer. Une fois qu'on l'a laissé reposer quelques minutes, on vient rouvrir. Et vous vous souvenez, cette petite préparation safranée, on vient juste l'incorporer. Alors, sur à peu près un quart, une moitié du riz. C'est juste histoire de le colorer et de le parfumer un tout petit peu. On remet le torchon et le couvercle et on le laisse tranquillement. Pendant ce temps, on va finir le poulet. Couper juste un petit peu de persil ou de coriandre, un peu d'herbe. C'est juste pour redonner un tout petit peu de couleur et un peu de goût. Et on vient en mettre dans la préparation, qu'on va ensuite mélanger. Histoire de mettre ça un tout petit peu partout. Et on va pas tarder à dresser ça. Je vais d'abord mélanger mon riz, histoire de mélanger donc la partie safranée et la partie, on va dire, normale. Et on vient faire un petit château de sable. Et on vient démouler notre petit riz. Ensuite, on vient mettre le poulet. Je vais le mettre assez grossièrement. Et je viens ensuite mettre un tout petit peu de sel. C'est juste histoire de donner légèrement du croquant. Et du poivre sur le riz. Et on est sur un poulet curry, on ne peut plus simple. Il n'y a pas de recette définitive, on va dire, du curry. Le curry varie beaucoup en fonction des régions, des pays et potentiellement aussi des familles. Là, c'est juste un curry avec ce que j'avais dans le frigo. Un truc hyper simple. Il y en aura d'autres sur YouCook, il y aura même des currys végétariens, notamment les dalles. On se retrouve très vite et pensez à vous abonner. Allez, ciao, bisous. Abonne-toi à YouCook et regarde une autre vidéo. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés en tapant YouCook Cuisine. Et surtout, n'oublie pas de lire la description, il y a souvent plein de petites informations à l'intérieur. Allez, bisous, ciao. YouCook.